Salut à tous et à toutes, aujourd'hui pour parler un petit peu plus de la toute nouvelle map qui a été présentée dans le gameplay trailer de Ramattra. Et pour le coup, c'est une nouvelle map qui arrivera le 6 décembre avec Ramattra lors de l'arrivée de la saison 2. Chose exceptionnelle puisque Blizzard a présenté la roadmap en 2023. Ils ont annoncé comme quoi il y aura à chaque fois qu'un seul héros ou une nouvelle map ou un nouveau mode. Donc là pour le coup on est gâté. On a deux gros items qui sont le nouveau héros Ramattra et cette toute nouvelle map qui est à nom de code Temple de Shambhali. On verra un petit peu ce que Blizzard nous annoncera officiellement. Mais on peut déjà avoir une preview de cette map via ce combat. Durant la présentation de Ramattra, on avait déjà vu des teasings par-ci par-là via des screenshots. Blizzard nous avait déjà teasé énormément de fois cette map. Mais on peut constater, en regardant un petit peu le template de cette map, qu'il s'agira d'une payload. On connaît déjà hein, le template des maps payload. On a une route, on a un point final. Donc derrière, bah ouais, on connaît la chanson. On va avoir finalement le point de capture final qui se positionnera ici. Avec justement les défenseurs qui essayent d'arrêter Ramattra, qui n'y arrivent pas évidemment. Ici la route, ici le point de capture. Donc globalement on connaît la chanson, hein, c'est une payload, c'est une map hybride. Mais on saura à quoi s'attendre. Tout cela sera présenté le 2 décembre à 20h par Blizzard. Ils révéleront officiellement la nouvelle map. Et avant cela, je crois que c'est au 29 novembre, ils présenteront aussi le contenu de la saison 2, donc avec tout ce qu'il y a, le contenu du Battle Pass, les skins mythiques, la thématique, etc. Mais outre cela, sur ce trailer, on connaissait déjà, comme je vous l'ai dit, des bribes de zones grâce à des screenshots. Des screenshots qui nous avaient été déjà mis en avant, à gauche, à droite, par Blizzard. Et là, on peut constater un petit peu plus loin finalement que cette zone de combat qui est là hein, dans le trailer amène dans un autre temple, dans une autre structure, un combat en intérieur. Donc finalement ça pourrait être sympa, on est un petit peu, si on prend le mode de Route 66, on est dans l'extérieur puis on finit en intérieur. Là on va être peut-être dans l'autre sens, hein. On va aller commencer le combat en intérieur et finir en extérieur. Je trouve ça assez intéressant, c'est plutôt pas mal de mélanger les concepts. Et en plus, ce design de map, on le connaît déjà, Népal existe depuis longtemps, Népal est une King of the Hill pour le coup, mais là on est sur du payload, sur le temple Shambhali. Outre cela, on connaissait aussi d'autres screenshots, mais d'autres screenshots qui pour le coup ne sont pas raccord avec ce que l'on a pu voir aujourd'hui. Donc là, on va pouvoir se poser d'autres questions parce que Blizzard nous avait déjà annoncé comme quoi il y avait aussi un nouveau mode qui arrive en 2023, un mode qui sera sur des maps plus grandes et donc qui durera plus longtemps. Mais ce screenshot m'interpelle parce que finalement, c'est quelque chose que l'on n'a pas du tout vu dans le trailer de Ramattra, ni dans le screenshot précédent. Cette statue n'existe pas, ces pylônes n'existent pas comme cela. On peut revenir en arrière et constater effectivement qu'il y a des statues de moines Shambhali qui sont positionnées ici. Et tout en haut, on n'a pas du tout de personne qui est située tout là-haut. Donc, si on retourne un petit peu sur le trailer pour voir un petit peu si on peut trouver des bribes d'informations, et ben en fait, ça sera à peu près la même chanson parce qu'on pourra constater que peu importe dans quel angle la caméra se situe, on verra finalement qu'il n'y a pas d'indice. Puisque ici, en haut à gauche, il n'y a pas de femme Shambhali qui est prosternée ici, c'est une cloche. Donc finalement, le screenshot que l'on a pu voir précédemment avec Zenyatta qui se pose, c'est probablement une autre map ou un autre morceau de la map, mais pour le coup, à découvrir par la suite. Peut-être que Blizzard a des projets d'extension de cette map pour le tout nouveau mode. On verra un petit peu cela. Et là, on amène directement sur l'autre screenshot qui est, à mes yeux, je pense, l'autre mode. Le tout nouveau mode qui arrivera en 2023. Et donc, c'est pour ça que je parle d'extension. Parce que cette map-là, pour l'instant, en tout cas, ces morceaux de map, on ne les a pas dans la partie Ramattra. Et ça non plus.
On ne sait pas vraiment dans quel sens ça va se prendre. Est-ce que là, c'est le départ? Est-ce que c'est la fin? Et pour le coup, on est plutôt dans un Népal version village, encore une fois. Donc, j'assimilerai plus vraiment ce screenshot au tout nouveau mode en 2023. Et là, pour le coup, on verra ce que Blizzard nous prépare. Donc, pour l'instant, je resterai sur l'information comme quoi ça, c'est évidemment la map que l'on aura en décembre, ainsi que le screenshot qui est là, ça va de pair. Mais ce qui est là, à mon avis, c'est soit une toute nouvelle map, soit une extension de la map que l'on va avoir en décembre et qui permettra de jouer sur un nouveau mode en 2023. À voir tout cela, mais pour le coup, ça pourrait être assez intéressant de découvrir comment Blizzard a ficelé tout ça et on pourra profiter finalement d'une partie de la map non explorée encore à ce jour de par justement ce nouveau mode qui arrivera en 2023. Donc voilà, nous en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt. Bye.